Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des enfants presque parfaits. C'est un peu comme le dîner presque parfait, sauf que là, c'est des enfants. Bon, on les mange pas, hein, mais bon, on pourrait. On pourrait. Donc moi, je vais accélérer le time, parce qu'il faudra bien, voilà, que Philippe, c'est ça, pour une fois, je me gourre pas, se lève. Alors, comme en début de chaque épisode, je ne sais plus ce que je dois améliorer chez chacun des gamins, on va regarder donc... Oh, mais il est plutôt pas mal. Manière contre... Franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Peut-être améliorer ses manières encore. Et puis ce sera... Et l'empathie aussi. L'empathie, ça va être le kit médecin. Ok. Bah mon petit, tu sais quoi, t'es le premier levé, tu vas aller aux toilettes tout de suite. Et puis tu vas aller jouer au docteur. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ouais, il y a toute la semaine là qui se lève. Alors attention, elle est déjà partie se chercher à bouffer. Paul, douche. Paul, douche. Voilà. Paul, douche. Paul, ouf, les manières et contrôle des émotions. Se détendre avec des radios et instruments ou courir pour ses... Ça, c'est... Alors, se détendre, est-ce que tu as... Bon, écouter la musique forte. Bah écoute, ouais, je sais pas. Ouais, c'est beaucoup les manières aussi, quand même. Hein. Les manières, s'il vous plaît, merci. En faisant des compliments. Eh bah, tu vas faire des compliments à tout le monde aujourd'hui. Tu vas complimenter ta sœur. Je ne trouve pas l'interaction. Louloulouloulou. On la sait tendrement. Bah, y a pas. Bah, c'est super. Bah, écoute, tu vas écouter de la musique forte, et puis voilà. Ensuite, on a Aurélie, qui est déjà levée et qui mange. Par contre, elle contrôle les émotions, c'est pas GG aussi. Alors, résolution de conflit, c'est l'angoisse. On va également apprendre à... Ok. Il faudrait que je vois avec qui elle a pas de bonne relation. Mais à mon avis... Bah, punaise, par contre, avec certains... Avec Nicolas et Paul, peut-être, c'est pas trop ça. Donc tu vas complimenter, tiens, voilà. Ça va être sympa. Illuminer la journée. Raconter une histoire idiote. Ouais, voilà. On va partir là-dessus pour commencer. Non, mais tu peux manger, hein, cocotte. Mange ta frittata aux épinards. Ok, oui, toi tu vas prendre ta douche, on est bien. Cécile est debout, Cécile. Je suis lente, hein, mais bon, c'est du boulot, vous me comprendrez qu'il faut pas que je fasse ça à la légère et que bah, elle a la faim. Donc tu vas prendre des rations, on s'en fout. Et manière, empathie, résolution de conflit. Par contre, contrôle des émotions, c'est ouf, elle se gère vachement bien. Donc résolution de conflit, manière, ok, manière. Manière, faut complimenter. Alors, est-ce que tu peux complimenter? Pff, je vous jure. De faire connaissance. Discuter de son intérêt. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Ah, Louise s'est réveillée avec Charlotte. Charlotte repose. Oh punaise, Charlotte, c'est la pire. C'est une thug. Empathie, manière, contrôle des émotions. Bon, après, elle doit aussi aller aux toilettes d'urgence. Donc, tu vas aux toilettes d'urgence. Il est 6h du matin. Tu vas pouvoir manger aussi quelque chose. Manière, contrôle les émotions, empathie. Après, tu vas bosser au docteur. Enfin, tu vas bosser au docteur. On se comprend. Tu vas jouer... Non. Jouer avec émotion, supplé. Et tu vas écrire dans ton journal intime. Voilà, toi, tu as tout un programme, toi. Et Louise... Il n'y a que Nicolas qui n'est pas encore levé. Louise, tu dois aller au pipi room. Ok. Tu vas aller au pipi room ici. Ça sera ça de fait. Et résolution de conflit, empathie. Contrôle les émotions. Ouais. C'est toujours compliqué, hein. S'entraîner. Parce que moi, je vais se détendre avec les instruments, je vois pas. Ou avec la musique, je vois pas comment. Mais bon, hein. Essayer d'améliorer les vraies relations. Mais ils ont tous une super relation entre eux, en fait. Ah, pas avec Pierce. Ouais,
tu vas essayer de discuter. Au moins, ce sera ça de fait. Il va dire, oh non, je dors. Mais au moins, ce sera ça. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas jouer au docteur. Jouer au docteur. Qu'on joue avec émotion et écrire dans ton journal intime. Ah, il y a trop de choses. Bon, c'est pas grave. On va pas que j'oublie. Déjà qu'elle aille aux toilettes, ça validera un truc. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et Nicolas, il dort. Nicolas dort très très bien même. Lui, bah ça va nickel. Et il faudra qu'on bosse sa résolution de conflit et son empathie. Bon bah pendant que Paul, enfin Philippe, il s'en va, on va faire jouer au docteur. Mais t'inquiète pas mon petit, t'inquiète pas. Résolution de conflit, c'est toujours améliorer la relation. Très bien. Mais bien sûr, tu as des bonnes relations avec tout le monde. À part Pierce. Et bien tiens, toi tu vas envoyer un SMS à Billy. Là, il y a la musique qui va fort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi ça va pas? On sait pas. J'ai pas lu ce qui était écrit. Comment? Mais je suis en train de dormir. Ouais, bah voilà, j'avais dit. Est-ce que toi, ça te fait du bien d'écouter la musique forte? Je suis pas trop contrôle des émotions. Alors, je voulais faire pause, hein. Complimenter. Ah, voilà. Et en plus, il crie des mots et tout. Hey, saleté de gamin, on te voit. Tu es en pleine, hein, flagrant délit là. Regardez-moi ça. Ah, ouais, quand même. Saloperie de gosse, va. Bon, et après, tu vas contrôler tes émotions, tu vas jouer. Ah, non, jouer avec émotion. Les cours commencent. J'ai hâte de les voir grandir quand même, parce qu'il y en a, ils vont être super mignons, comme Cécile, à mon avis, elle va être super chou. Oh, dis donc! Tu m'en tu parles, toi. Les manières, tu vas complimenter. Éliminer la journée. Elle perd de contrôle des émotions. Mais pourquoi, petite Cécile, tu perds du contrôle des émotions? Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, Philippe. Oui? Mais non, mais moi je veux que. En plus, voilà, les bonnes manières, on va essayer de. Faire au mieux, hein. Les autres y jouent. Papa, il dort tout le temps. Il a faim. Ah, ben, lève-toi, Coco. Voilà, contre les émotions remonte. Ok. Compétences, faculté sociale, niveau 6. Ah, voilà les lumières. Les lumières. Les manières remontent un peu. C'est fou, hein. On en apprend tous les jours un petit peu quand même dans ce pack être parent. Quelqu'un qui a éteint la musique. Aurélie. Elle va être très responsable. Alors, on va remettre sur pause. Parce que papa est enlevé. Qui a encore besoin d'augmenter ses manières? Elle, ça va, sa résolution de conflit. Je vous jure, hein, c'est. Ouais, bah elle va écrire dans son truc. Manière, non. De toute façon, je crois que c'est Charlotte. Charlotte, la pire. La pire Charlotte! Ouais, Charlotte est en train de jouer, donc je vais peut-être pas lui faire faire. Je ferai plus tard avec Charlotte, on va faire ce qu'il faut. Hop! Ils vont tous commencer à aller bosser. Enfin, bosser. Ils vont à l'école, quoi. Allez, on va réviser assidûment tout le monde. Hop. Je crois que c'est Nicolas que. Oui. Très bien. Et bon, on aura trois. Oui, trois qui sont pas encore partis. C'est pas grave. On verra plus tard. Voilà, Charlotte la thug est donc la dernière à partir à l'école à 9h20. Tout va bien. Ok, c'est bon. On aura quand même pas mal de taf à faire.
Pourquoi t'as ton téléphone? Non, 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 non. Non, c'est bon. Par contre, il y en a quelques-uns, oui, parce qu'ils sont déjà tous des A, donc ça sert un peu à rien de les faire réviser. Qu'est-ce que t'as, toi? Triche repérée. Un instituteur a surpris Philippe en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'envoyer chez le directeur. Je suis sûre que c'est une erreur, en fait, lui repasser le contrôle. Mettez-lui un zéro pour ce contrôle. On va lui faire passer. Ah oui, les manières diminuent. Bien sûr! Merci! Donc, John étant enfin seul à la maison, on doit, pour son boulot, atteindre le niveau 3 de la compétence jeu vidéo. Donc, mais, elle fait partie des meilleurs élèves, il faudra bien porter les... Il faut que les frapper, moi. Prévenir l'instituteur. Et nous allons donc jouer Vive les Sims. L'impliquer un instituteur n'est pas toujours la meilleure idée, mais film normal à l'école primaire, c'est la pire. Ouais. Ok, très bien. Donc, mon petit John, tu vas bosser un peu tes jeux vidéo. On doit avoir la compétence 3 pour le boulot. Et on va aussi mettre pas mal de trucs réseaux sociaux pour justement gagner en abonnés. Oh là là, tricheuse potentielle. Affaire de bonheur, c'est pas facile. Charlotte, c'est sous pression. Non, non, ça, je l'ai. S'éloigner. Ouf. D'accord. Réseau social, on va partager une photo. Réseau social. Mettre à jour. Voilà. On va être comme ça, on va être plutôt pas mal. Yes! Compétence numéro 3 en jeu vidéo. Tu vas pouvoir arrêter là et fa faire un petit peu de ton réseau social, hein, fesse de bouc, Twittos et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Allez, tac, 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 tac. Tu dois atteindre les 1000 abonnés. 902 maintenant. De toute façon, après, il va reposter des blagues, une photo. Ah! Votre message a été reposté une seule fois et par le clown triste, pas terrible, clown triste, d'accord. Il s'est fait un fail. Quoi? Ah, big bisou, Louise a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves. Ah d'accord, elle est précoce cette petite. Elle n'a pas réussi. Ah! Mais les autres élèves s'enfuyaient devant elle. Elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. C'est juste un comportement d'enfant normal. Demandez-lui de s'excuser. Allez. Et l'empathie diminue. Merde. L'empathie diminue. Ouais, t'es pas terrible déjà. Je vous jure. Oh punaise, John, tu fais de la merde. Abonné absent, partage des blagues. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais? Va aux toilettes. Voilà, t'as 902 abonnés. Est-ce que tu vas faire de la pub? Je préfère pas, non, parce que la dernière fois c'était un flop aussi. Mince, il est déjà 15h, les gamins vont déjà rentrer parce que je m'étais dit qu'on allait peut-être aller voir sa fille chez Lilith, la petite Cécile. Et oui, Cécile va t'aurer. Mais non, bon bah tu vas réparer les toilettes vu que tu viens de les casser. Ça te fera penser à autre chose. Les gosses, ils vont déjà rentrer. Quelle horreur! Regardez-moi ce spawn sauvage. Toute cette marmaille. Oh là là, il y en a une qui pue. Va te laver. Oh. Ok, alors, Nicolas, un petit problème avec les A. Aurélie, un petit problème avec les A. Philippe, un problème avec les A. Paul est de retour de l'école. Il est meilleur. Des A. Et c'est super. Et Hugo. Non, si tu... non. En plus, à la fille, quoi. Non, mais non. Non, mais non. Ah, la musique est trop forte, selon notre invité du jour. Oups. Donc, ouais, on va baisser le son. Qui c'est qui joue de la musique? C'est toi. Non, bah, toi, tu vas aller aux toilettes. Tu vas. Après, on va travailler tes manières. Allez. Tu vas. Présentation amicale, voilà. Elle non plus, ça lui plaît pas. Musique forte! Ouais, écoute. Non, bah non. C'est bon, il a éteint. Toi, c'est l'empathie, Louise, qui ça va pas. Et plus, tu pues la chaussette. Tu vas donc prendre une douche et tu vas jouer au docteur. Allez! Zou! Les enfants. Johnny est parti de jouer avec la poupée. Je suis heureux.
Qu'est-ce qu'elle a, Cécile? Jour d'école raté, d'accord. Contrôle des émotions. Oh, par contre, contrôle des émotions, elle est à fond. C'est bien, ma petite. Tu sais quoi? Tu vas écrire dans ton journal intime. Voilà. Tu vas remonter tes contrôles encore plus. Et puis, il faut surtout ton empathie et ta résolution de conflit. L'empathie. On va jouer au docteur. On va jouer au docteur. Il y en a avec qui ça va vachement plus simple à remonter le... certains trucs, mais... Oui. Il est super ton bonnet, ma petite. Alors, la tug. Manière. Manière. Tu vas complimenter sincèrement. Tu vas... illuminer la journée, tu vas complimenter sincèrement, et puis tu vas jeter ça et tu vas mettre. Ah bah non, elle veut pas. Vas-y, hop, et tu vas mettre la table. Table de fête bleue. Charlotte, au boulot. Dag dag. Waouh! Aurélie a atteint un niveau 10 de la compétence créativité. Ça, c'est bon ça. Oula, qu'est-ce que t'as toi? Ah, t'es en colère à cause de... Oh, griffonner furieusement. Tu vas te lâcher un petit peu. Son empathie remonte, c'est très bien. Ok. Bon, papa, tu vas préparer à manger, je pense, surtout. Tu vas servir le dîner. Boulette de viande à l'italienne. Voilà. Alors, Charlotte a fait la table. Charlotte a fait la table. Et tu vas aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer tes manières? Contrôle des émotions de ouf, hein, et l'empathie de ouf aussi. D'accord. Ok. Eh bien, tu vas jouer furieusement avec, bien sûr, tu l'as plus. Et là, il n'y a plus le machin qui traînait la dernière fois, encore le matin. Tu vas ouvrir. Voilà, il y en a trois là-dedans, tu vas en prendre une. T'as chouette là, tu vas jouer avec émotion et jouer avec émotion. Et après, tu vas écrire dans ton journal intime. Ce sera toujours ça de fait. Vous voyez, les gosses, ils s'occupent pas mal. Toi. Manière contre les émotions. Ouais, tu vas faire tes devoirs déjà. Hop. Oui, bah, il était déjà parti pour. Bon, allez, tournée de devoirs pour tout le monde. Tournée de devoirs pour tout le monde. Ça, c'est fait. Après, tu vas faire tes devoirs, toi. Aurélie. Tu vas faire tes devoirs aussi, Nicolas. Tu vas faire tes devoirs. Et Cécile. Mais si, il y a tellement de choses à faire. Bon. Dis donc! Il y en a un, il crie, c'est moins interdit là, mais on peut pas le réprimander pour, je comprends pas en fait. C'est dans l'éducation. Mais je sais pas. Obligé à. De choix à prendre une douche, à ramasser les déchets, c'est très bizarre. Inciter à faire pipi. Non, je veux pas faire pipi. Bon, John il va manger du coup. John il s'est décidé. Voilà, on va illuminer la journée. Dis donc, toi tu te calmes un peu. Hein. Voilà. Discuter de l'énergie cérébrale. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et mini journée. Bon ami Nicolas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme gosse? C'est quand même ingérable, hein, cette histoire. Et encore, ils sont que enfants, hein, parce que quand c'était bonbon, c'était largement plus compliqué. Moins de jeunes, là, il a quand même le temps de respirer un peu. Ah, responsabilité de Nicolas. En fait, ce responsable, c'est hyper facile à avoir parce que il suffit de leur faire faire les devoirs tout le temps et ils ont responsable derrière. Donc, je trouve finalement c'est assez simple de l'avoir. Et l'autre, elle est dans les toilettes, elle joue comme ça. Tout à fait logique, voyons. Alors, son contrôle des émotions remonte un petit peu. Ok. On va refaire un petit tour d'horizon. L'empathie chez Louise, c'est pas GG. Louise, l'empathie. L'empathie, c'est toujours. Attends, je vais déjà rien. Pas vraiment. Kit médecin. D'accord. Tu vas rejouer au kit médecin, ma cocotte. Hein, écoute. Tu vas en faire, tu vas en faire, tu vas en faire. Paul, Philippe.
Philippe, bah, ils prennent tous leur bain. Bonjour la facture d'eau. Philippe, ça va? Faut remonter peut-être les manières. Bon, bah, lui, il prend son bain, je vais le laisser. Lui aussi, il prend son bain, il faut remonter les contrôles des émotions. Bon. Contrôle des émotions, c'est donc le journal intime. Écrire son journal intime, écrire son journal intime et jouer avec émotion. Charlotte, la thug, elle. Ah, vous voyez, ça remonte, hein. C'est quoi ma cocotte? Tu feras le ménage après. Tu iras jeter, hein? Ça va te faire du bien. Et l'empathie devra remonter en max, hein, donc ça va être jouer docteur à fond, quoi. Je pense que elle a son programme de fait. Ah bah non, mais c'est Nicolas qui nettoie quand même. Oh, Aurélie, tes émotions sont flinguées. Résolution de conflit, quoi! Oh là là, c'est elle la thug. Pourquoi je peux pas cliquer? Ah! Résolution de conflit. Ce qui était des centres d'intérêt. Ok. Faire connaissance. I don't know how it works. C'est quand même un peu compliqué. Oh bah. Ah, elle a bugué! Tout va bien! Ah bah, John aussi, il a bugué, ils se sont levés, tranquille, quoi. Mais pourquoi? Mais non, tu vas pas danser. Oh là là. Bon, tu vas... Résolution. On va abandonner, hein. Tu vas écrire à mort dans ton truc, là. Voilà. Voilà. Tu vas remonter tout ça, comme ça. Et elle? Ah bah, d'accord. Tout ce que j'avais fait comme programme, elle a tout abandonné. C'est super! Ça fait tellement plaisir. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Lilith, elle vient à peine d'accoucher, elle veut déjà sortir, quoi. C'est quoi cette voix, là? Ah non, hein, c'est bon, la musique, hein. Hop! Travaille dans le calme, nous, monsieur. Je suis confus, je n'arrive plus à savoir ce que je dois faire. Surtout elle, vu qu'elle avait tout un programme de fait et elle a complètement abandonné tout ce que je lui ai demandé de faire. Déjà, tu vas reprendre ton truc là. Voilà. Et tu vas faire de l'empathie. Donc, tu vas jouer au docteur. J'avais dit beaucoup. Et que tu allais faire ton journal intime. Que tu n'as plus sur toi. Bah, bien sûr. Tant qu'à faire, hein. Tu peux nous le paumer, hein. C'est ta raison. C'est pas très très grave. Hein, si c'est comme ça, bon, ouais, tout va bien. C'est le premier qui le trouve, il pourra le lire. C'est super. Là, il n'y en a pas. Je pense qu'il est déjà en train de le faire. Bon, elle l'a paumé. Elle est en train de le faire. Lui, il a le sien. Et elle a le sien. Donc, je ne sais pas où est bah, le journal intime de Mademoiselle Charlotte, quoi. C'est super. Ça s'appelle un bug, messieurs, dames. Un beau bug, quand même. Elle était là-bas. Elle a laissé sa peluche, là. Je sais pas quoi, sa chouette. Et maintenant, elle a plus son truc. Donc, c'est super. J'adore ce jeu. Mais c'est un thug, hein, Philippe, là. Il arrête pas de s'énerver tout seul et tout. Pourquoi il bouge à chaque fois et... Ok. Ils nous font des trucs bizarres, ces gosses, hein. Alors, ils grandissent quand, en fait? Dans 3 jours, d'accord. Eh ben, dans 3 jours, ce sera des ados. Donc dans 3 semaines, 4 semaines, ça va être sympa, hein? On va faire 15 000 gâteaux. Ah, mais il y en a qui sont déjà partis se coucher. 22 h. Ben non, on va pipi et manger, mon coco. Oui, si tu veux manger des petits pois. Cécile. Mais Cécile, elle va se coucher sans manger, ça devient grave quand même. Après, tu vas pipi aussi. Est-ce que tu as bien travaillé? Je vais faire ce travail supplémentaire. Et... Ouais. On va faire ça, ma belle. Tu vas peut-être... Les manières. Tu vas... J'y arrive pas à choper l'assiette. Tu vas... Jeter. Ah non, il y en a encore dedans. Mais non, non, tu vas pas le jeter. Papa John, il nous a fait une toile. Voilà. Ça lui a pris comme ça.
Ah mon Dieu, les toilettes. Allez, va réparer les toilettes. C'est pas comme si c'était la troisième chose que tu réparais dans la journée. Ah, c'est quand même beaucoup de boulot. Louise, pourquoi t'es partie te coucher? Bon, elle est partie se coucher alors qu'elle est hyper bien. Ma cocotte, tu vas refaire ton empathie là. Tu vas jouer au docteur. Tu vas jouer au docteur. Et puis, occasionnellement, tu vas jouer au docteur. Voilà. Puis après, tu joueras avec émotion à ça et tu écriras dans ton journal intime. Ok, John. John, tu as fait ce qu'il fallait. Tu vas nettoyer aussi, mon coco. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton fils? Félicité pour ses bonnes notes. Ah, c'est sympa! Il est content, Nicolas. Il va être super mignon, lui. Je le sens quand il sera plus grand. Toi, tu vas être lavé. Hein, mon petit. Et résolution de conflit, quoi. Résolution de conflit, c'est toujours un peu compliqué, pardon. Comment t'as... Faut qu'ils disent pardon. Qu'est-ce que t'as, Charlotte? T'as mangé un truc qui passe pas ou quoi? Non, tu vas manger. Nicolas, il est parti se laver, d'accord. Ah oui, puis un peu. Papa, est-ce que tu peux t'asseoir là? On va éteindre cette musique. Ah non, elle est malade, elle. Elle a des chaleurs. Elle a de la fièvre. Ok, très bien. Ok, est-ce que je voulais du coup que petit Nicolas apprenne à dire pardon? Non, 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 Jeanne, tu reviens là. Tu vas pas être couché tout de suite. On va attendre que Nicolas vienne. Allez, Nicolas, tu t'es assez lavé pour la journée. Dépêche-toi! Et c'est elle qui prend, bien sûr, la place! C'est pas grave, John. Tu vas donc apprendre à ton fils, à un de tes fils, à dire pardon. Voilà. Allez! Il y a qui va aller sur ses genoux. Ah, c'est la résolution de conflit qui monte, mais moi je m'en. Ah bah oui, c'est bon, c'est ça. Ok, j'ai tendance à confondre contrôle des émotions et résolution de conflit. Voilà. Tout va bien, pour une fois, on est bien. Moi, je vais jeter les assiettes. Charlotte, la thug! T'es fatiguée, comment ça se passe? T'as pas beaucoup de manières et l'empathie, c'est pas trop ça non plus. Tu vas jouer au kit médecin avant d'aller te coucher. Et après, tu iras au dodo. Plus, ouais, il reste un jour avant le week-end, donc c'est très bien. Cécile, pourquoi tu dors? Pourquoi tu fais la sieste, cocotte? Résolution de conflit. Ouais. Je sais pas, si tu veux dormir, tu dors, quoi. Tu fais un vrai dodo, pas une sieste. Bon, alors, comment ça va, les garçons? Oh, bah, ils ont déjà fini. Ok. Qu'est-ce que c'est, quoi? Pardon, mais c'est tellement ennuyeux. Ok, très bien. Ok. Bah, écoute. John! Il va y se coucher avant que je lui dise d'aller se coucher. Réseau social, tu vas mettre à jour. Je dis ça parce que bon, tu t'as fait un putain de flop quand même avec tes blagues. Tu vas repartager des blagues. Tu dis les noctambules, ils vont peut-être pouvoir rigoler à tes vannes. Aurélie, avec son truc. Ouais. Très bien. Qui s'intéresse direct, ça intéresse 25 nouveaux abonnés. 947, ça c'est bien. On va arriver à 1000. Assez facilement. Et tu vas mettre une photo. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et oui, 125! Ah bah il était temps quand même, on est à 1072. C'est cool. Réseau social, tu vas mettre à jour. Ça n'a pas pris, bien sûr, parce que j'ai pas cliqué au bon endroit. Et voilà. Et puis après, tu pourras aller te coucher. Tu vas aller aux toilettes avant. Et après, tu vas dormir. Et du coup, on n'a que Charlotte et Louise qui sont réveillées. Bah, Louise, après, tu pourras aller dormir. Charlotte! Quel échec! Ceux qui ont vu la photo sont moqués pratiquement partout sur le web. Ok. Bon, ça n'a pas été un franc succès partout, mais au moins, il a quand même gagné des abonnés. Quel est le fuck? Mais il est où ton lit, toi, Nicolas?
Mais non, mais pourquoi ils s'intervertissent les lits là? Je sais plus moi, où qui dort où? C'est incroyable, à chaque fois ça remet à zéro. Bah écoute, tu vas prendre celui-là. Hein. Et tu vas aller dormir dans celui-là. Aurélie, bah, elle a aussi d'aller dormir dans le même lit. Non, Aurélie, tu vas prendre celui-là du coup, allez. Ça suffit maintenant. Mais Louise, pas Aurélie. Ah. Je m'embrouille et je m'embrouille. On va mettre ça au frigo. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est lui qui va le faire. C'est bien, mon petit Nicolas. Après, tu pourras aller au dodo. Ouais, c'est pas grave, je vais le faire. Eh, ça fait longtemps. J'ai pas fait les ordures. 86 flous en plus. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Tu peux dormir, s'il te plaît. Voilà, les derniers morveux qui vont se coucher. Moi, je vous quitte là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que je puisse améliorer tout ça. Tout ce qui peut être manière. Surtout manière. Résolution de conflit. Voilà, ce contrôle des émotions, je sais quoi faire. Empathie, je sais le docteur. Mais qu'est-ce qu'elle fout, elle? Elle est encore debout. Ouais, va pisser, après tu vas te coucher, hein. Les gosses, hein. Elle va dormir. Va dormir. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode des enfants parfaits ou d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.